Bonjour à toutes et toutes les amis, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve bien pour un nouveau gameplay de jeu vidéo d'une vingtaine de minutes sur le jeu Skull and Bones. Il sort dans quelques jours sur PlayStation 5, Xbox One et PC et à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 12 février, il y a la bêta ouverte et bien sur toutes les consoles. Et alors du coup, je vous ai concocté un gameplay 100% maison des premières minutes de jeu. Alors, allez-vous lever l'ancre ou avez-vous déjà le mal de mer? Et bien, à vous de me dire dans les commentaires. L'aube du capitalisme, des sociétés aussi puissantes que des royaumes, règne sur les mers et les routes marchandes les plus rentables du monde. D'une main de fer, elle forge une voie vers la tyrannie et l'exploitation, soufflant sur les braises du combat pour la suprématie. Venu de l'océan Indien, un flot de produits exotiques nourrit de nouvelles addictions et remplit les coffres de pièces souillées de sang. Et là où le sang coule, les prédateurs affluent. Regardez, un navire britannique endommagé! Ce devrait être une proie facile! Il y a toujours de la place en cale pour des richesses! Ce navire est vulnérable à une portée!
Vite, la flotte anglaise est peut-être encore près d'ici. Prenez ma main, vous ne mourrez pas. Le destin vous a joué un tour. La chance de Freeman doit être de votre côté. La chance? Où diable les Anglais et le brouillard? C'est la faute du capitaine Rassler qui nous a menés sur ces hauts fonds. Nous avons survécu au combat et maintenant vous venez renforcer le doute. Je dirais que notre sort s'améliore. Il y a une ardeur dans votre regard. J'ai déjà vu la même lueur chez d'autres. Je suis sûr que vous allez nous conduire à Saint-Anne. Pour rejoindre le paradis des pirates, il faut en connaître le chemin. Voilà. Un journal de bord récupéré dans l'étable. Plus que par l'encre et le parchemin, notre sort se révèle par couches. Souvent bien visible. Ceci vous aidera peut-être à tracer votre chemin, l'ami. Rendez-vous utile. Prenez le gouvernail avant que les Anglais ne reviennent. Je vais m'occuper des voiles. Le vent sourit aux intrépides. Saisissons notre chance. Quelqu'un doit connaître le chemin de Sainte-Anne parmi les rescapés éparpillés. Que la chance de Freeman nous guide. Allez encore plus vite! Donnons de la toile! Terre, droit devant! Le destin nous lance un filin! On peut trouver de l'aide pour quitter cet endroit! J'avais dit au capitaine Rassler que le navire était plein comme une truie engrossée. On a peut-être perdu les Anglais dans le brouillard, mais aussi la course contre ces foutus éléments. Regardez, les entrailles de l'exéter sont répandues sur ces hauts fonds. Et je suis entouré de fainéants ivrognes qui se croient condamnés à rester sur ce rocher. Et où étiez-vous, capitaine, pendant que des frégates anglaises poursuivaient l'exéter? Sûrement à jouer les pleutres comme l'immonde rat de cale que vous êtes. Et à quoi a servi votre hardiesse? À part à nous laisser pourrir sur ces hauts fonds. Vous voulez rejoindre Sainte-Anne? Naturellement. Tout comme cette bande d'ivrognes qui reste mollement assis sur leur cul. Mais si nous retournons voir le Kingpin les mains vides, il nous enlèvera nos titres.
peut-être nos têtes par la même occasion. Récupérez ce qu'il reste de la cargaison de Skurlock dans ces eaux infestées de requins. Ensuite seulement, je vous dirai comment aller au paradis des pirates. Bien, et ne traînez pas. L'officier serait incapable de guider un poisson dans la mer. Si ce crétin connaît le chemin de Sainte-Anne, il nous faut la cargaison de Skurlock. On peut pêcher ces poissons pour manger. Vous devez frapper vite. Ces cadavres, il va peut-être falloir les fouiller. Je n'ai pas envie de mourir aujourd'hui. Il y a un vaste campement sur cette île. Il va peut-être falloir les fouiller. Beau travail. Je crois qu'on en a assez. Connaître le chemin de Sainte-Anne. Merci pour les marchandises. Skurlock m'épargnera peut-être. Mais je ne peux pas en dire autant de vous.
Quand je lui aurai parlé du capitaine qui n'a pas protégé sa cargaison. Trouvez vous-même le chemin de Sainte-Anne, fin limier. Ne comptez pas sur moi pour sauver vos fesses quand les miennes sont en danger. Demandez au capitaine Rassler. Son cadavre bouffi connaît peut-être le cap. Maintenant, du vent, Ratcal.